Est-ce que tu connais Nabila? Oui, c'est une chanteuse. C'est pas une chanteuse. Ça me dit quelque chose, Nabila? Bah oui, c'est sûr que tu connais. Lui, il a écrit une chanson sur elle. Bah, c'est pas Nabila, elle. Non, mais montre-moi une photo. Tu veux que je te montre une photo? C'est elle. Oui, c'est ça. Tu vois qui c'est? Oui, oui, très bien, mais. Regarde. Oh. Son fils, il est trop jolie, chou. Elle. Ouais, elle est trop belle. Très jolie. Il est une poupée. Oui. Une poupée. Mais bon, mais non, oui, non, je savais. Oui, 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 même voilà. dans les journaux, là, dans les magazines de People. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec ma mamie. Aujourd'hui, on est là pour tester les produits de Nabila Beauty. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des produits, donc on va tester tout ça. J'avais déjà fait une première vidéo où j'avais testé et où j'avais beaucoup aimé les produits. Mais là, du coup, elle a sorti d'autres petites nouveautés, notamment un mascara, un liner. Moi, ça m'intéresse, ça. Voilà, ça donc ça, ça qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est pour les paupières. Alors, faut voir les couleurs. Déjà, est-ce que t'aimes bien le packaging? Ouais. C'est sobre. C'est mignon, cru, c'est rose, mignon, tu c'est vois. Rose, c'est doux. C'est ouais, doux, c'est doux. C'est doux. Je suis d'accord. Donc, moi, j'avais déjà la palette rose, qui ouais, est jolie. Moi, tu, ouais. tu préfères laquelle, toi? Ben, moi, j'aime bien le rose. Ouais, je savais que t'allais préférer celle-là. Ouais, donc, nous. Celle-ci, c'est un peu plus dans les tons marron doré. Ça, c'est une poudre, non? Non. Poudre une. C'est un highlighter. Highlighter. Oh, c'est quoi ça? C'est en fait une poudre brillante que tu mets ici. En fait, dans les endroits où avec le soleil ça va. Ah refléter, oui, ou la va... lumière, voilà. Exactement. Bon, alors après, c'est. C'est ça mascara. Qui t'intéresse. Moi, en fait. Ça m'intéresse, c'est le mascara. Oh, c'est joli ça. Regarde dans les sacs à main, ça, c'est ouais, sympa. Hein. Je trouve beau. La liner, bon, ça, je sais pas le mettre. Eyeliner. Eyeliner. Franchement, je trouve qu'elle est bien. Ah, il est fin, ouais. Ouais. J'ai pu en mettre, moi. C'est une pointe vraiment assez fine. Je pense ça, que ça va plus être pas facile mal. Pour le traçage. Ouais. Ensuite, elle le rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Quelle couleur il est? Ma mamie, elle est fan de rouge à lèvres. T'aimes bien? Un vieux rose, ouais. Un rose des bois, enfin je sais pas. J'aime bien. J'aime bien le packaging, c'est trop joli, transparent joli. Et tout. J'avais pas encore de rouge à lèvres, j'avais que les liquides. Mmh. Et là, elle m'a envoyé celui-ci. Ah là, les couleurs. Non mais regarde la couleur, là. Tu vas voir, c'est trop j'adore beau. J'adore ces couleurs roses, moi. Swatch. Ah ouais, ah ouais, ça c'est... Il est beau. Ah ouais. Pour l'été, c'est t'as super. T'as vu comment il est beau? Ah j'adore. Toi t'aimes bien ces couleurs-là? Ah, moi j'adore ces couleurs-là. Fard à joues. Ouais, ah. Un blush. Regarde comment il est beau. Ah bah oui, ça va, il regarde. Ouais. Je te mettrai le rose de toute façon. Ouais. Trop beau, je l'ai pas encore aussi testé. Joli. Ça, ah, c'est coup, la poudre. C'est un highlighter aussi. Ouais, c'est pour mettre, ouais. Comme tu dis là... ouais, c'est ça. Et du coup, le blush, j'avais déjà le pêche. Ah oui, c'est joli aussi. J'aime bien celui-là, je le mets tout le temps. Tac. Ça sera faire pour les le murs coup. Avec. Hein. Mamie, pour faire un beau make-up, il faut beaucoup de pinceaux. Je sais, et t'en as beaucoup. Attends, je te ramène un coton. Ouais. Oups. Elle a l'air de bien tenir, tu vois. Ouais. Les rouges à lèvres, le problème, en plus avec les masques, ils tiennent pas toujours. Mais moi, j'en mets quand même, j'en mets tous les jours, les rouges à lèvres, même quand il y a le masque. Ouais. Mais ils tiennent pas toujours. Et ceux-là, en fait, ils sont bien. Une fois que tu les appliques, ils sèchent et ils bougent plus. Voilà, c'est bien. Ok, donc. Alors, on commence par. Par quoi tu veux commencer? Bah, on va commencer par les joues. Hein. Par les joues? Ah bah, ouais, je suis d'accord. Donc là, on a le choix entre le blush rosé et le blush pêche. Rosé. Ok, moi, je vais mettre le pêche. Allez, hop. Amel Makeup Artist, on y va. Michel, est-ce que vous aimez le make-up? Oh bah bien sûr, c'est même que ça. Je sais, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Alors c'est parti pour l'application, donc t'as vu j'en ai pas mis beaucoup parce qu'il est super pigmenté. Il faut bien veiller à sourire pendant l'application. Oui, parce voilà. Que pour que, là, oh, que ça remonte. Regarde la différence entre les deux joues. Ah bah tout de suite t'as tu bonne vois, mine. Ça réveille quoi. Non franchement, je le trouve super joli parce que en fait j'en ai des blushs roses, mais celui-là il est un peu fuchsia. Mais fuchsia clair, mais c'est pas le rose rose. Voilà, c'est pas rose... Rose pétale ou rose pâle. Exactement. Non non, franchement... J'aime beaucoup. Oui, ça donne bonne mine tout de suite. Tu vois? Et le pêche, il est très beau aussi. Attends, je vais l'appliquer sur moi. Bon, moi, j'avoue, j'aime bien en mettre beaucoup, j'abuse un peu. Mais tu vois, genre là, j'ai à peine appliqué. Ah oui, on voit tout de suite. Ouais. Franchement, c'est mon blush préféré. Ah, en plus, t'es un beau teint, toi. Merci. Oh. Qu'est-ce que tu veux appliquer ensuite? Est-ce que tu veux partir plus sur la palette pink ou sur la palette dorée? Fais-le sur le rose. Ok, go. On va prendre la teinte Pretty. Très jolie. On part sur le creux de l'œil. Ce que j'aime bien avec ces fards, c'est qu'il n'y a pas de chute. Donc, ce qui fait que, comme là, par exemple, nous on a fait notre teint avant. Tu vas mettre le fard, le fard il va pas tomber sur ton, non, non, sur bah ton non, dessous là, de l'œil. Rien. Donc c'est un moment détente. Oh, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh bah moi j'aime bien tous les matins. Hein. Ensuite, nous allons donc prendre la petite couleur, oui. Celle-ci. Donc on parle de celui-ci, la couleur Send. Regarde comment ah, c'est oui, beau. Ah oui, il est joli, ouais. Ouais, mais il m'a plu celui-là. Ouais, tout de suite. Tout ça, c'est, tu vois, tu peux l'associer avec d'autres couleurs. Tu peux l'associer avec tout. Ouais. Et tu peux même la mettre en... En blush. Non. Non. Ah, bah, comme t'as dit. En highlighter. J'adore. Le regard, c'est le plus important. Franchement, il n'y a même pas besoin d'appuyer tellement c'est pigmenté. Regarde déjà.
Ah bah oui, je le vois déjà sans lunette alors. Ah oui, bah tout de suite, hein, avec le mascara, ça va être super. Ouais, est-ce que je... Ouais, on va passer à l'eyeliner. Je fais des traits sueurs. J'attends qu'il sèche pour voir, pour faire le test. Genre quand tu passes dessus, si ça s'enlève ou pas. Je pense que là c'est sec. Ça bouge pas. Ah, c'est bien ça. Regardez. Ça bouge pas. Je fais ça. Ça bouge pas. C'est vraiment super. Aussi dans la journée, ça sent. Ouais, t'es dégoûté. Tu te retrouves avec un côté comme ça. Ah, mais moi aussi. On est parti pour le. Alors, je suis pas une pro pour le liner. On va tester un truc. On va tester. On va dire que j'ai réussi quand même. Ça va. Oh, bah, c'est bien. C'est bien là. Moi, je préférais que tu fasses tout le trait complet. Tu veux jusqu'au bout du point interne. Ok, c'est ce que je faisais avant, mais bon. Je fais. Je m'exécute. Ah, oui, c'est bien. Très bien. Ah, oui, il est fin, hein. J'ai réussi. Oui, j'aime bien fin, tu vois, c'est plus. Oui. Vaut mieux quand même. Liner validé. Alors après. Highlighter. C'est vraiment l'un des meilleurs highlighters que j'ai testé. J'aime trop. Et voilà. J'aime bien cette couleur, moi. T'aimes bien celui-là? Ah ouais. Ok, donc tu moi j'aime bien ce qui est naturel. 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 Tu peux dire la couleur à l'audience sans. Ah bah c'est en anglais. Gold on fleek. Voilà. Tu veux voir ce que je vais mettre? Ouais, ce que tu vas mettre. Moi je vais utiliser la nouvelle palette. Enfin la nouvelle palette. C'est pas une nouvelle palette mais la Gold Planet. Et je vais prendre la couleur noire. Et en fait je vais faire un liner. Et ensuite je vais le flouter avec la couleur marron. Ah oui, ah okay. Bah, t'as fait voir alors. Ah, oui, c'est parti. Franchement il a l'air pas mal. Ouais. Alors moi d'habitude j'ai peur un peu avec les fards noirs parce que ça peut être un peu une galère à estomper. Mais là ça me convient. Et là on va prendre la teinte brownie. C'est quoi un brownie? Un brownie ça se mange. Tout ce qui se mange, on sait ce que c'est. Voilà. Il faut prendre son temps pour estomper, c'est important. Tout, non, et puis pour se maquiller, il faut prendre son temps, c'est sûr. Et je vais prendre aussi la teinte, celle-ci que t'aimais bien tout à l'heure. Ah ouais. La teinte Woody. Pour mettre au-dessus. Ouais, exactement. Pour qu'il y ait un reflet, justement, un dégradé. Assez totalement. Joli. Je sais que tu connais les termes, je sais. Je me suis maquillée longtemps, hein. Donc je vais reprendre celle que ma grand-mère avait mise, la Sand, qui est champagne irisé, c'est trop beau. Oh, il regarde, direct. Non, mais moi j'en ai plus que toi. Parce que je t'en ai mis plus pour que tu brilles plus. Mais ça, c'est, tu peux pas, tu fais pas ça pour aller, c'est pas un maquillage de jour, c'est plutôt un maquillage de soir. Non. Si tu te lèves à 7h et que tu commences à midi, c'est bon. Je viens de penser à un truc, c'est que je t'ai pas fait de ratil. Je trouve que ça complète le make-up, tu vois. Ouais, parce que moi j'aime bien en dessous là quand même. Mm-hmm. Moi aussi. Je pense que je vais prendre cette couleur là, cette couleur là mélangée. La teinte Berry et la teinte Lovely. Avec ce que j'ai déjà là? Oui. Ce n'était pas une question. Oui. Je vais le mettre quand même. Oui, d'accord. Bon. En plus, toi t'as un peu les yeux verts quand même. Ah. T'as pas les yeux marron foncé? Marron. Marron, c'est pas ça. Mais regarde, moi déjà j'ai les yeux plus foncés que toi. La police, elle m'a dit que c'était marron. Donc je garde. Mais la police a tort! Couleur toute seule. Ça devient de plus en plus beau quand même, hein. Ouais. Je dois dire, t'es d'accord avec moi? Complètement. On peut tester le mascara, on l'a pas testé. Bah oui, tiens, vas-y, teste en premier parce que je sais que tu voulais le tester depuis tout à l'heure. Mascara, moi. Donc, ça, c'est un mascara volume. Oui. Est-ce que tu utilises un recourbeur de cils? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je tape pour bien le mélanger. Il est bien, hein, parce que. Ouh, il a l'air pas mal, là. Ouais. Celui que j'ai en ce moment, là. Mais il t'allonge grave les cils. Il est trop épais. Ouais. Et c'est pas joli, tu vois. Ouais, j'aime pas quand ça fait des paquets. Non. Fais des petits zigzags comme ça. Laisse-moi maquiller comme j'ai l'habitude. Très bien. Bah, il faut faire le deuxième œil même. Oui. C'est comme ça. Tu retapes à chaque fois? Ouais. C'est parti. Il allonge bien les cils. Hein. Il les allonge bien, il les écarte bien. C'est très fin, c'est très beau. Je valide. D'abord, il m'envoie. Je tiens à vous dire que j'ai un code promo. Tu pourras en profiter, ouais, du coup. Ouais, j'espère. Donc j'ai mon code promo de -15% pour vous. Les gars, j'espère que vous êtes contents. Franchement, moi je suis trop contente de pouvoir vous donner un code promo. Enfin, c'est trop bien. On fera une petite commande pour toi. Ouais. Ok, fais voir. Ouais, j'aime bien. Il allonge tu grave vois, les cils. Ah ouais, il allonge bien, il fait pas de paquet. Bon, déjà, il fait pas de paquet. Et non, ça, c'est grave important pour moi. Je déteste ça. Ah non, mais en fait, ça fait vraiment des beaux cils, là. Ouais. Ça me fait des grands cils. Ouais. On dirait une sirène. C'est joli, le tube, hein. Le packaging, ouais, je l'aime trop. Ouais, ouais. Et ça me fait des cils de fou, en vrai. Quand je vais zoomer, vous allez voir. Bah, des cils. Maintenant, on peut passer à l'highlighter. Donc, on met ça. Waouh, c'est magnifique. C'est littéralement magnifique. J'adore. Et là, la caméra, je suis sûre qu'on voit déjà trop bien. Regarde, regarde. Regarde comment c'est beau. Ah oui, parce que même sans lunettes, je le vois. Est-ce que tu te rends compte? Très bien. Fais comme ça, fais comme ça. Ça bouge et tout, ça accroche la lumière. Ouais, ouais, non, c'est très bien. C'est très bien, très très bien. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et comme le rose, il est hyper pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est très bien. C'est pas un highlighter trop brillant. Ouais, qui c'est vraiment irisé, quoi. Ouais, voilà, c'est irisé. Et sur le nez? Ouais, je vais en mettre sur le nez aussi. Comme ça, j'ai le nez qui brille. Tac, tu vois pas trop?
Estompe un peu quand même. Mais moi j'aime bien. Dernière étape, on peut passer au rouge à lèvres. Est-ce que c'est le mascara ou est-ce que c'est le rouge à lèvres ton étape préférée? Tu peux te maquiller les yeux sans te faire un mascara, mais le rouge à lèvres tout de suite. Je trouve que ça, ça donne pour moi. Je préfère le mascara. Donc on est chacune. Oui, oui, mais j'aime les deux. Moi, de toute façon, je mets les deux. Mais on va pas te voir si tu mets ce gros miroir de. Non, mais il faut bien que je le mette le rouge à lèvres. Alors toi, t'aimais bien celui-là. Ouais. Playtime. J'aime bien l'autre là, bien rose là. Ouais, c'est celui-là. Ah, c'est celui-ci. C'est celui-là. Ah ouais, elle est vraiment trop beau. J'adore cette. Tiens. Donc moi, je vais utiliser Gobi, donc qui est le rouge à lèvres pour le coup. Très beau. Fais voir. Oh, mais la couleur, elle est incroyable. Très très bien. Et ça, tu vas me le commander aussi celui-là. Le rouge à lèvres, là, je suis pas très fan. Je préfère les liquides mat. C'est quoi? Moi, je vais juste mettre un gloss en vrai. Donc celui-ci, c'est un gloss irisé. Je l'aime trop. Je le mets tout le temps. En fait, j'aime trop parce que on dirait vraiment un baume hydratant. La texture, elle est trop agréable. Je l'aime trop. En fait, ça fait une petite touche de brillance, mais naturelle. Je vais l'essayer. T'as vu? Il tient bien. Ah ouais. Tu galères. Oui, bah je préfère. Et là, pour le coup, tu peux manger, boire, t'es tranquille en fait. Tu t'en sors. Ah, il tient bien. Hein. Ça, c'est le meilleur test pour savoir si le truc il tient. Et ça, c'est bien parce qu'un rouge à lèvres qui se barre au bout parce que tu bois un café. Oh, t'es dégoûté. J'aime trop mon make-up. Non, mais le mascara est assez incroyable quand même. Applique-le, tu vas voir comment c'est doux. C'est vraiment comme une huile, on dirait. Je mets un peu du blush rosé parce que j'ai envie de le tester. Toi, tu mets pas trop de gloss. Non, par contre, il est agréable. Parce que souvent, les glosses, c'est un peu collant. Des fois, c'est chiant. Alors, celui-ci, il est vraiment. Même quand il colle ça, pas. Il colle pas. Il est huileux, tu vois. C'est ça que j'aime trop. Regarde, j'ai remis du blush, t'aimes bien. Ah oui. Bah, je crois qu'on a tout testé. C'est très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce que t'as moins alors, aimé? Alors, moi, je préfère les rouges à lèvres et le mascara. L'eyeliner, là, il est très bien parce qu'il se bouge bien, il est fin. Il bouge pas. Les blushs et tout. Non, c'est très joli. Il y a longtemps que j'ai pas été maquillée comme ça. T'es trop belle. Comme pour la première vidéo, je suis grave contente des produits. J'avoue que mon produit préféré, ça reste le blush. On a toujours un petit parce produit. Parce que j'aime trop, je le trouve. Enfin, là, le rose, il est juste trop beau. J'ai l'impression qu'ils ont fait la parfaite teinte de rose. Le mascara, je suis mascara, très bien. Il fait des cils. Il écarte bien les cils, il est fin. Ouais. On va faire un zoom après pour vous montrer le maquillage. Mais franchement, toutes les deux, on est unanimes. Les fards s'estompent super bien. J'aime beaucoup. L'highlighter. C'est pareil. Magnifique. 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 Franchement, le gold, vraiment subtil. Il est pas. Des fois, il y a des highlighters qui sont plus pailletés. Non, là, il est. Là, il est irisé. Et bon, bah, les rouges à lèvres, toi, t'es fan. Ouais. La couleur, elle est trop belle. Ouais. Franchement, elle est magnifique. Pour moi, elle est très belle. Elle tient bien parce que j'ai eu du mal à l'enlever. Le seul petit bémol, pour être honnête avec vous, personnellement, moi ça me convient pas cette texture en tout cas. Moi, vraiment, le gloss, c'est mon produit préféré avec les liquides mat, ils sont trop trop beaux. Ouais. Bah écoute, merci pour ta participation. Est-ce que tu es contente de ton petit make-up? Oh bah complètement. Est-ce que t'as un petit message pour Nabila? Et bah qu'elle continue dans sa lancée, je la trouve très belle, son petit bout de chou aussi. Et bah voilà, il faut continuer à. Tu aimes son. Oui, moi j'aime beaucoup. Sa marque. Je connaissais pas du tout, je l'avoue. Et tu vas commander finalement. Je vais commander. Je vais faire une petite commande. Tout à fait. Bah écoutez, on espère que cette revue vous a plu. N'oubliez pas le petit code promo de -15%, ça fait toujours plaisir sur une petite commande. Deuxième fois que je teste, je suis toujours pas déçue, franchement. Mascara au top. On s'amuse bien toutes les deux, hein. Meilleur duo. Oui. Est-ce que c'est moi ta préférée de tous les petits enfants? Mais tu sais bien que j'ai pas de préférée. Je vous aime de tout mon cœur. Mais c'est tous. C'est moi en vrai. Tous. De complicité avec toi. Et oui, je sais. Bon, allez, on dit au revoir. Bisous.